Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu veut parler, oh. Au nom de Jésus éternel, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, maître de l'univers, manifestant la personne de Jésus dans le Saint-Esprit, Dieu de gloire, Dieu de l'univers, éternel Dieu Père, Papa Yahvé, mon âme te bénit, Papa Yahvé. Que toute la gloire te soit rendue, Jésus. Père éternel, je prie par la puissance du Saint-Esprit que tu prennes le contrôle de ce moment. Que tout qui est démoniaque, que tout ce qui est l'ordre des démons soit lié au nom de Jésus, soit chassé et banni de ce lieu au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu neutralises tout esprit de distraction, s'il te plaît, au nom de Jésus. Tu nous donnes d'être disposés à l'écoute de ta parole, Saint-Esprit. Dispose nos esprits, dispose nos âmes, dispose nos cœurs en connexion totale avec toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que ta parole soit une lumière vraiment dans nos cœurs. Que ta parole nous éclaire, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que ta parole soit le réma de nos vies, au nom de Jésus. Saint-Esprit, s'il te plaît, toi qui es la personne divine par excellence, tu es présent en ce moment. Tu es face à ta personne du missionnaire versant Saint-Esprit. Tu prends contrôle ta parole au nom de Jésus. Et que ta parole ne soit pas une parole humaine ni dans la chair, mais que nous la recevons comme une parole puissante au nom de Jésus dans nos cœurs qui délivre, qui restaure, qui bénit et qui est accompagnée d'onctions puissantes afin que réellement cette parole nous transforme nos vies. Qu'on ne sorte pas d'ici comme nous sommes venus, Saint-Esprit, mais qu'on soit vraiment muni d'un package qui vient de toi et que ce package soit un distributeur de bénédictions puissantes dans chacune de nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour cette onction qui descend sur chacune de nos vies. Merci d'accompagner la parole qui restaure, qui bénit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Tu vas répéter après moi, tu vas dire la foi. La foi. Gloire à Dieu. Amen. Pour répéter la foi là-même, il n'y a pas de condition. La foi. Alléluia. Amen. Tu dis la foi. La foi en Jésus. Gloire à Dieu. Amen. La foi est la délivrance.
La foi et la délivrance. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant de prendre... bon, d'accord, tu vas prendre d'abord Jacques. Jacques chapitre 1, verset 6. Jacques chapitre 1, verset 6. Et puis, quelqu'un va nous prendre Hébreux 11, verset 1. Gloire à Dieu. Hébreux 11, verset 1. Non, ça dit si. Non, non. Jacques 1, verset 6. Jacques 1, 6. Hébreux 11, verset 1. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. La foi est en même temps la délivrance. Amen. Avant de commencer, je vais vous rendre un témoignage biblique. Amen. La Bible déclare qu'il y avait un homme de Dieu, Amen. Du nom Abraham. Amen. Cet homme-là a été visité par la puissance du Dieu créateur. Amen. La Bible déclare que Abraham était berger. Il était derrière les animaux. Et lorsque Dieu va venir vers lui, il va lui dire, Abraham, quitte ta patrie, la maison de ton père et de ta mère, et va-t'en dans un pays là où tu ne connais pas. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que cet homme n'a pas cherché à comprendre ailleurs, n'a pas cherché à droite ou à gauche. Il savait que celui qui lui parlait était un Dieu puissant, un Dieu trois fois saint. Il fallait exécuter. Il fallait obéir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit qu'Abraham va ramasser tout et il va s'en aller. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc cet homme-là, il avait la foi. Amen. Il savait que ce Dieu-là était très puissant. Amen. Donc il va continuer la marche avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Et il va continuer. Aller dans un autre pays. Un pays étranger. La Bible dit que Dieu va puissamment le visiter. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? À cause de l'obéissance, à cause de la patience, cet homme aujourd'hui, il a de puissants témoignages dans la Bible. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens en parlent. Gloire à Dieu. Abraham est le père de la foi. Puissance. Ah, il est écrit dans la Bible que la foi est une ferme assurance. Alléluia. On va prendre Hébreux. Hébreux 11, verset 1. Oui. Hébreux 11. Verset 1. Oh. Oui. Or, la foi. Oh, la foi. Est une ferme assurance. Est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui, les chrétiens disent qu'il faut voir avant de croire. Mm-hmm. Or, la Bible déclare il faut croire avant de voir. Gloire à Dieu. Amen. Abraham n'a pas cherché le Seigneur. Moi, je veux voir ce que tu veux faire pour moi là d'abord avant de faire pour toi. Quand c'est comme ça, tu échoues. Alléluia. Donc, cet homme-là, il est parti et il a travaillé pour l'Éternel des armées. Aujourd'hui, il est appelé le père de la foi. Gloire à Dieu. Sans la foi, il n'y a pas de miracle. Sans la patience, il n'y a pas de miracle. Parce qu'en Dieu, quand tu n'es pas patient, le second nom de Dieu, c'est la patience. Amen. Tu n'es pas patient,
tu n'auras pas de miracle. Gloire à Dieu. Donc, il faut saisir la foi qui est le carburant, la puissance du Saint-Esprit qui est le moteur. Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit est le moteur? Et pourquoi la foi est le carburant? Gloire à Dieu. Parce que sans le carburant, c'est parce que tu avais du carburant dans ta voiture que tu as pu venir. Alléluia. Gloire à Dieu. S'il n'y a pas de carburant, alléluia. La Bible dit, lorsque Jésus guérissait les malades, il faisait voir les aveugles, il faisait entendre les sourds, il faisait marcher les boiteux, et les morts ressuscitaient, c'est à cause de la foi. Bartimée savait en lui-même que lui-là, si je réussis à le toucher ou à être auprès de lui, j'aurai ma guérison. La femme qui perdait du sang, la Bible déclare que cette femme-là, avec la foi qui déplace les montagnes, elle est allée toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle a reçu sa guérison. Gloire à Dieu. Donc, sans la foi, il n'y a pas de bénédiction. Gloire à Dieu. Mais avec la foi, tu vas aussi réussir à briser les œufs du diable et des démons. Quand tu as la foi, Dieu t'a dit que à mon nom, vous chasserez des démons. Vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Alléluia. Quand tu as la foi, le démon ne peut pas tenir. Parce que dans la foi, il y a aussi la vérité. Gloire à Dieu. Parce que tu as la conviction que ce que tu es en train de prononcer, c'est la vérité en face du diable. Il va finir par s'éloigner de toi. La Bible déclare, lorsque Jésus a gêné pendant 40 jours, la Bible dit que le diable va s'approcher de lui pour le tenter. Mais il sera vaincu par la parole à cause de la puissance de la foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc tu vas prendre encore. Tu vas prendre juge. Le livre des juges. Juge. Non, Jacques. Oui, on va lire Jacques. Jacques. Oui. Jacques 1, verset 6. Jacques 1, verset 6. Mais qu'il l'a demandé avec foi, sans douter. Alléluia. Amen. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alléluia. Amen. Car celui qui prie. Non, tu le prends parce que là, j'ai... Oui, verset 6. On écoute. Jacques chapitre 1, verset 6. Soyez attentifs. Mais s'il l'a demandé avec foi, il la demande avec foi. Alléluia. Que celui qui demande avec foi. Sans douter. Alléluia. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Tu n'es pas tranquille, tu as comme là comme une balance. Alléluia. Parce que quand tu doutes, c'est fini. Est-ce que ça va marcher? Ça va jamais marcher. Alléluia. Amen. Mais quand tu pries, tu te dis en toi que ça là, je sais que ça a déjà marché. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que ça a marché déjà. Je sais. Gloire à Dieu. Et tu vas voir qu'ils vont t'appeler. Que ça a marché pour toi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Jésus marchait sur les eaux.
Il y avait un de ses disciples qui était là et il disait à Jésus, mais comment cet homme, il est très puissant et il marche sur l'eau. Permets que je vienne vers toi. Si c'est vraiment toi. Alléluia. Amen. Jésus va lui dire, viens. Et quand il va commencer par marcher, arrivé à un certain moment, il va commencer par monter. Quand tu doutes, c'est comme tu as mis l'eau dans le carburant, dans l'essence. Alléluia. On peut prendre l'exemple comme ça. Quand tu doutes là, c'est comme tu as mis l'eau dans l'essence. Parce que le moteur, le Saint-Esprit est là. Il est prêt à enflammer le carburant. Tu as la foi. Maintenant, le carburant qui vient, c'est mélangé d'eau. Le doute. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. On va prendre. On a fini avec la foi. On va aller maintenant avec la délivrance. Oui. Luc 6, verset 25 à 26. Mais c'est à la fin que je peux faire un petit témoignage sur la foi. Il y a ça. Tout ce que tu prêches. Amen. C'est puissant. Il y a quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. 6, verset 25 à 26. Maintenant, il y a aussi Luc 5, verset 1 à 7. Luc 6, verset 25. Ouais. Je lis. Oui. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, oui, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Gloire à Dieu. Renverse l'autel de Baal. Qui est à ton père et avoir le pieu sacré qui est dessus. Gloire à Dieu. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole et tu auras abattu. Verset 27. C'est bon? Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs. Alléluia. Fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible déclare que Gédéon, serviteur de l'Éternel, alléluia, avec la foi que Gédéon a reçue de la part de l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Son père était un adorateur du diable et des démons. Gloire à Dieu. Comme aujourd'hui, toi et moi. Alléluia. Il y a dans certaines familles, il y a eu des adorations. Il y a des gens même qui ont adoré des eaux, des rivières, des montagnes. Gloire à Dieu. Donc, lorsque tu saisis le Seigneur Jésus, lorsque tu saisis la foi, alléluia. Il faut aller contre ces choses avec la foi. Que cette foi-là va briser les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Gédéon a saisi l'Éternel, l'Éternel va dire à Gédéon, va faire moi un sacrifice et renverse l'autel de Baal. Mets l'autel de Baal à côté et fais un autre pour l'Éternel des armées. Alléluia. Donc, c'est ce que tu es en train de faire maintenant, mon frère, ma soeur. Tu as renversé l'autel de Baal, les adorations des idoles, les adorations des fétiches, les adorations des eaux. Tout cela est brisé par la puissance de la foi. La Bible dit que le Saint-Esprit te donne un don de foi. Avec ta foi, lorsque le Saint-Esprit vient accompagner, ça fait un don de foi. Ça devient la foi qui déplace les montagnes. Il dit sa parole. Si vous avez la foi comme un grain de sélévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et elle vous obéira. Alléluia. Donc tu dois briser l'autel du diable et des démons. Des adorations que tes parents ont faites depuis longtemps. Alléluia. Parce que quand c'est comme ça, nous étant Africains, moi j'ai aussi adoré. Alléluia. Quand le grand-père va adorer ses fétiches-là, il va citer le nom de ses fétiches
Et de génération en génération, il va dire à ces démons-là, protège mes enfants, protège mes arrière-petits-enfants, alléluia. Mais quand c'est comme ça, le démon lui travaille pour partir, parce que c'est son boulot. Mais quand tu reçois la grâce de Dieu, quand tu reçois la paix de Dieu, quand tu reçois la foi en Dieu, il faut aller contre ces choses-là pour les briser, pour que tu sois complètement libéré. On appelle cela l'esprit de famine. Alléluia. Que l'esprit de famine soit brisé. Parce que à chaque fois, l'esprit de famine va te réclamer. Quand tu vas vouloir aller de l'avant, l'esprit de famine vient se poser. On dit que nous, là, nous, ce qu'on fait de bien, c'est de faire le mal. Alléluia. Donc, quand tu as l'esprit de famine derrière toi, tout est bloqué à ton niveau. Mais il faut te réveiller pour prier avec la foi. Parce que tout est bloqué à ton niveau et tu ne pries pas. Tu dis, je suis découragé. Quand tu es découragé, là, c'est là même le diable est content. Gloire à Dieu. Donc, avec la foi, tu peux passer facilement à la délivrance. Gloire à Dieu. Donc, on prend le dernier. On va finir. Luc. Oui. Luc 5, verset 1 à 7. Alléluia. De la foi à la délivrance, de la délivrance à la bénédiction. Gloire à Dieu. C'est puissant. Oui. Luc 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. La Bible dit que Jésus se trouvait auprès du lac. Et que la foule se pressait autour de lui. Et la foule se pressait autour de lui. Pour entendre la parole de Dieu. Pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Il vit au bord du lac deux barques. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques. Il faut savoir que ta bénédiction arrive. Qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Amen. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait à la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alléluia, on écoute. Simon lui répondit. Simon lui répondit. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, sur ta parole, le filet. Alléluia. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Alléluia. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là. Alléluia. C'est puissant. Est-ce que tu peux t'acclamer? Alléluia. Gloire à Dieu. De la foi à la délivrance et de la délivrance à la bénédiction. Quand tu es en train de repousser l'esprit de famille par la puissance de la foi, par la prière, Dieu est en train de te faire avancer un peu dans, au milieu de l'eau. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont travaillé durant toute la nuit sans rien prendre. Pourquoi? Alléluia. Quand tu travailles dans la nuit, tu ne vois rien. Quand tu travailles dans les ténèbres, tu es bloqué. Alléluia. Quand il y a l'esprit de famille, tu ne peux pas avancer. C'est comme tu travailles dans le noir. Mais quand que Jésus est venu, le jour où il y avait la lumière, la Bible déclare que Jésus va dire, allez-y et jetez le filet. Tu vas jeter ton filet maintenant parce qu'il est temps. C'est le jour. C'est la lumière. Tu vois maintenant la profondeur des eaux. C'est le jour parce que Jésus est dans ta vie. Tu n'es plus dans les ténèbres. Tu n'es plus dans le noir. Tu n'es plus dans la nuit. Les choses s'ouvrent à ton niveau. Maintenant, c'est ta bénédiction qui va descendre. La Bible déclare
que les apôtres vont dire, sous ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Amen. Jésus te dit, va maintenant et avance. Et avec la foi, je crois à la parole de Jésus. Mais je sais que ma réussite est possible. Alléluia. Alléluia. Donc de la foi à la délivrance et de la délivrance à la bénédiction. Amen. Alléluia. C'est puissant en appelant le Seigneur. Amen. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne soyez pas découragés. Parce qu'un soldat qui est découragé ne peut pas retourner à la base. Non. Si tu es découragé, tu es fatigué là. L'ennemi va t'abattre. L'ennemi va t'avoir. Parce que le diable et les démons, ils ont plusieurs systèmes pour avoir l'humain. Celui qui a la foi en Dieu. Ils vont te donner des soucis. Ils vont te donner des problèmes. Et à chaque fois, il va s'approcher de toi. Oh, mais quand tu vois un problème comme ça, là, Dieu là même, il est où? Quelqu'un, tu ne vois même pas. Et puis tu dis, il va faire. Reste là. Alléluia. Le diable, il est très malin. Parce qu'il sait qu'avec ta foi, il ne peut rien faire. Donc, il va essayer de mettre le doute. Alléluia. Donc, quand il met le doute maintenant, où tu as refroidi, il travaille, il se bloque. Alléluia. Donc, vraiment, redoubler, vraiment, il faut pouvoir prier. Alléluia. Dans la puissance du Saint-Esprit. Car ta bénédiction est possible cette année 2015. On acclame justement le Seigneur.